Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu, Père créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom puissant de ton Fils unique, notre Sauveur Jésus-Christ, nous bénissons ton nom pour nous avoir protégés depuis le matin jusqu'à ce moment. Père éternel, si nous sommes réunis aujourd'hui, parce que la vie est sacrée. Et nous venons, Seigneur, de traverser une tragédie, Seigneur, un chemin par lequel nous tous nous sommes appelés à être passés. C'est pourquoi, Seigneur, comme tu as dit, il n'est pas bon à l'homme de rester seul, et tu as créé, mon Dieu, mon roi, Ève, de sorte que, Seigneur, l'humanité est appelée à être ensemble. Amen. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous t'invoquons, mon Dieu, mon roi, parce que la Bible déclare, invoque-moi, je vous répondrai et je vous ferai voir des choses cachées. Amen. Papa, en toi, mon Dieu, mon roi, ce chemin, cette route, ce n'est pas un échec pour nous les chrétiens. Ce n'est pas un échec pour nous les croyants. Alléluia. Mais sauf, Seigneur, la séparation est douloureuse. Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur,
Nous t'invoquons, mon Dieu, mon roi. Nous te mettons au premier plan pour que tu nous parles. Pour que tu nous parles. Pour que tu nous parles. C'est toi qui protèges. Tu nous as appelés, mon Dieu, mon roi, tel que nous étions venus. Nous sommes vulnérables, nous sommes faibles. Mais c'est toi qui donnes la force. Oh, papa. C'est pourquoi je profite dans l'occasion pour présenter, Seigneur, mon Dieu, mon roi, l'âme de mon frère Toussaint Lokio. Tu l'avais appelé, tu nous as donné, mon Dieu, depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, papa, parce qu'il est devenu comme un éclair, papa. Une étoile filante. Et son parcours, mon Dieu, mon roi, tu sais. Que tu sois tendre, Seigneur, à l'âme de mon frère, Seigneur. Que la terre soit généreuse, papa. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur. Parce que nous qui sommes restés, papa, nous avons encore la vie devant nous. La vie est sacrée. Nous avons des besoins. Nous avons pas mal de choses. Mon Dieu, mon roi, et n'abandonne pas la famille. La peur guette, Seigneur, mon cœur. La crainte est là. Il a laissé la famille, il a laissé les enfants, il a laissé le frère et soeur, mon Dieu, mon roi. Mais il ne laisse pas orphelin parce que toi tu es là, papa. Oh Seigneur, c'est pourquoi écoute notre prière, écoute ce que nous demandons. Que les larmes de tout à chacun et de celui qui est déversé, Seigneur, construisent quelque chose dans les pensées, dans l'esprit, dans l'espoir. Et que cette construction, mon Dieu, comme tu as dit, Jésus-Christ, c'est lui qui a la foi, bâtit sa maison sur le roc. Et ce roc-là, c'est toi, ô Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons bâtir une maison solide. Que ce ne soit pas une maison, mon Dieu, mon roi, sur les sables, mais que ce soit une maison solide. Je sais, quand tu auras une tempête, ton nom, mon Dieu, mon roi, et ta parole a fait taire le vent. Et je vais taire, Seigneur, cette hémorragie. Cette hémorragie qui vient, Seigneur, assaillir la famille. Si cela vient de toi, nous nous remettons entre tes saintes volontés. Mais si cela ne vient pas de toi, mon Dieu, personne n'a le droit d'ôter la vie d'un être humain ici sous le soleil. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, je t'invite maintenant, sois avec nous. Oh papa, nani azalo kola yo. Nani azalo kola yo. Nani abosu ngalo kola yo. Misweto mwani. Nous avons besoin de ta main. Fais du bien à ta
Soki yote ndebo epe basangani ya wate mwana nzambe miteme za iku zika Yesu ata matame za kubimisa pizo niteka so za kumona ndege miteme na wana naweza kuzika Yesu Yesu masia mwana na nzambe biso totika ina kati na mukiri mwana nzambe mwana na biso yoyo uzuye za mukano na yo mwana nzambe miteme za iku lela kwete ata tokolo baiko zuye no kiviti Yesu mutumoka kwa iku balola mukano na wate mwana nzambe Oya yo Kristo mukonjo kusana bao ya yo mikela munondenge ekani yo mwanza. Bongo bisobo batikali na se Kristo mukonzi. Atiki bana atiki mba atiki libota Yesu masia mwana na Nzambe. Yesu nzoto na musunezana kwa lembu mwana Nzambe. Uzalaki pe na kati na mukiri Yesu yo lelaki Lazaro pisole bimaki Yesu. Kwa itazaki mulinga mina yo muninga na yo. Oyo tira kimotema mwana nzambe. Bongo lela tao za kusuka biso lobi biso ba Kristo tokolela kana mabonde li Yesu mitema peza ikozika Yesu. Yango na ngonga oyo topesi na maboko na yo. Bande ko bauti misika bipai na bipai Yesu. Yoruba keke bolingo. Yango ni kusangisa kama mwana nzambe. Yoruba keke. Ukubatira kokota na moto, kubima na moto. Ukubatira mulimu na moto, ukubatira penzoto na moto mwana nzambe. Mandigo batikali Yesu pesa makasi mwana nzambe. Simba mitema na bango Kristo mukunzi. Kwete itumbeza imonele Kristo mungula na biso azobe satana mwana nzambe. Na ngomba Kristo mukunzi nzoto na mwana na biso. Epema na kati na kina mapele e yango yango mwana nzambe. Mulimu na ye Yesu. Tala ta malamu moko asaki na kati na mokile. Ata bulingo ya la kisaki na kati na mokile. Ata kosekwa za liko seka na baninga. Yesu yoruba keke moko kaka na libota ndimeri kumbo na olibote biki. Libota na epe basari na nzambi bazale. Libota na epe bandimi bazale. Libota na epe bo bandimeri kumbo na bazale. Yesu muli mwano kutika nguwa kimwana nzambi. Muli mwana baya kuwela ngu na sata na te mwana nzambi. Banjelu no na likuloba kita. Muli mwano musantu mwana Nzambe ulibaki musungikati na batu mwana nzambe presence na weza na ngongo mwana nzambe tuzani eloko msusu wa kulubate mwana nzambe eloko tika ina bisobe kulela mwana nzambe kasi mabonde li oto bonde li mwako alelo eza ipo na kufungula nzira na mwana na biso nzira na yaya na biso nzira na onkle na biso neve na biso Yesu topesi nyoso kati na maboko na mwana mitema na batu nyoso bazalia simba yangu mwana nzambe tuza ipo na mtu msusu te mwana nzambe yorobaki eki ukubate la kabiso Kristo mukonzi ata mopepe yangu mabeza ipulika na kati na nzira na kati na mukile kokota kati na biso te mwana nzambe yoro bake kipote na bayenge na tampasi ko ya Yesu yuko sali sana elelo pe Kristo mukonzi to koi kolo bayero ko mususu te mwana nzambe isale meza mukano na yo to kozongi sa matoni to kopesa obe merci na basi constance nyo so mwana nzambe ya mona pe sinyo so kati na maboko na yo to za isa ona ko ndima Kristo mukonzi ke le reste ya ba ceremony Yesu yo moko koza kati na biso mwana nzambe eza libota ba kotika la masolo na bango maloba na bango Yesu yo ndo kosolo liboso na Na eno basolo laki nakati na famiye teyo so bongisa ki Yesu. Tika ite milulu oyo ele kanakati na kimia nakati na semwe de loko moko sada na profite na yamoso ki mokete. Yamoto pesi ngomo kati na maboko na yo. Mungu na yo oyo amitu ngisi moko ale loko na kukamba seremoni o mwana nzambe. Uye vili kawoyo chaki kati na ye kimbala na sima Yesu asala pebo ikule kama kwa ya lindo. Yamo na pesi pi bande kunyonzo oyo bayembi oyo bandini ame ame kati na maboko na yo. Ulingo na umwa na nzambe eva ndakati na biso umela na biso lelolo biki na bomina seko. Amen. Amen. Ewe nzambe na Nare mi pena rei, ya ako bandana na, ya wikasa ni mwana na yosodo,
encore, laissez l'âme de mon frère entre tes saintes mains. J'ai la ferme conviction, mon Dieu, mon roi, que la porte du paradis est entre-ouverte, papa, pour recevoir les saints qui est maintenant, Seigneur, reçu auprès de toi. Nous avons la ferme conviction, nous qui sommes restés, papa, toi qui es notre éternel, toi qui es le protecteur, tu es le libérateur. Merci pour ta protection divine. Merci, papa, pour nous avoir libérés de la peur. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons la ferme conviction que notre frère est parti et entre de bonnes mains. Je remets ce moment entre tes saintes mains, la parole que tu nous as donnée aujourd'hui, que cette parole soit une bonne semence afin de tomber dans le cœur de tout un chacun, dans une terre fertile pour se fructifier, donner un bon arbre et des bons fruits. Béni sois-tu, papa, tu es bon, tu es merveilleux. Je dépose la famille, je dépose les amis, je dépose tous ces gens qui sont venus aujourd'hui, papa, entre tes saintes mains. Tu es le protecteur. Alléluia. Tu es le protecteur. Papa, les mamans qui ont suivi le Golgotha jusqu'au tombeau, mais le tombeau était vide. Alléluia. La récompense, la pierre a été roulée. Aujourd'hui, papa, que la pierre qui s'est mise devant tout à chacun, Seigneur, roule-le au nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que toi, tu n'habites pas dans les tombeaux, tu n'habites pas dans parmi les morts, mais tu es vivant. Ressuscite, mon Dieu, mon roi, notre force de vivre, notre joie de vivre, notre force, la croyance, Seigneur, la foi en nous, afin que, Seigneur, le bel jour que tu nous laisses, Seigneur, que tu marches avec nous comme des champions, comme des gagnants, des noms comme ceux qui sont échoués ont échoué, Seigneur. Ce n'est pas un échec, mais c'est un résultat, un bon résultat. Parce que, Seigneur, quand tu fais que ta volonté, papa, tu donnes aussi la réponse à ta volonté. Donne la réponse à tes enfants et fortifie la famille, mon Dieu, mon roi. Sois avec la famille. J'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ que tout s'accomplisse dans la grande prière que Christ nous l'a apprise. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous conduis pas à la tentation, mais guéris-nous de notre mal, car c'est à toi qu'on appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. On reste que les églises des cieux s'ouvrent. Que l'Éternel déverse ses bénédictions et qu'il reçoive l'âme de mon frère Toussaint d'Okio. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Étendis ami na posa na yoé Abba papa mon limonanga Ezo ganga koluka yoé koluka yoé nana koti kateo kotambole na yo posa mote mananga Kolanda yoe, nana kole mbateo, kungumba mela yo, tina bomo idake.
na posa na yo e aba papa molimo nangai eso ganga luka yo e luka yo e kana koti kateo kotango na yo posa mo temba Papa, Abba, 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 Papa. Alléluia. Je dis à mon âme, cherche le Seigneur. Oui, mon esprit danse et entre à mon âme. Cherche le Seigneur, le Dieu de ton salut. Pourquoi veux-tu continuellement t'abattre dedans de moi, mon âme? Pourquoi est-ce que tu veux te détourner de l'essentiel? Voici ce qu'il est écrit. Il est temps pour nous de chercher le Seigneur jusqu'à ce qu'il répande sur nous sa justice. Oui, Seigneur, réponds sur nous ta justice. Réponds sur nous ta gloire. Réponds sur nous, Seigneur, une nouvelle dimension de ta révélation. devant les tombeaux, elles ont vu que les tombeaux étaient vides.
Mais elles ont passé un passage de nombreux. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, cette situation, c'est un passage de nombreux pour la famille. Mais lorsque Jésus m'a rendu là, les barrières s'est fondue. Le rocher s'est fondu. Je viens dire de mon Jésus-Christ, quand Jésus-Christ fait quelque chose, la pierre du tapis, peut-être que ça va se fondre. Mais quand tu as la force et tu persévères, tu es fidèle, tu restes là où tu es, il y a une récompense. Il y a une récompense qui est de mon Jésus-Christ. Cette récompense-là, elle se sont retrouvées devant les tombeaux, la pierre est terminée. Qui a donné la pierre, c'est que Dieu qui a envoyé l'ange. Je sais que ton cœur est battu. Je sais que tu passes à la passage de plus de vol. Je sais que le ciel se sursigne pendant la journée à midi. Tu avais des projets avec ton frère, avec ton papa, avec ton ami. Mais voilà, la nature a fait que notre frère acte. C'est vrai. À midi, la nuit est tombée. À midi, il y a un tremblement de terre. À midi, tu ne sais pas, tu es désemparé. Reste constant. Reste constante. Va à l'étonnement de vite. Parce que celui qui vit ne reste pas parmi les morts. Notre frère, son nom est vide. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, le ciel est ouvert. Le tombeau est vide, parce que l'ange est venu en disant, ne venez pas, parce que celui-là n'est pas parmi les morts. On va devenir une époque. C'était un message d'encouragement. Notre frère était comme une étoile filante. L'étoile filante passe, mais elle ne reste pas inaperçue. Mais ça fait quelques secondes seulement pour voir l'étoile filante. Mais ça laisse quelque chose. Dans son parcours, ici-bas, il a laissé quelque chose. Accroche-toi de bons souvenirs. Accroche-toi de son rire. Accroche-toi de ses blagues. Approche-toi de sa beauté. Approche-toi de tout ce qu'il avait fait. Parce que Dieu l'avait envoyé pour un moment, pour te faire aussi, pour éclairer ce passage comme l'homme toujours, c'est un passager dans ce monde. Je vais faire une petite anti-parcours de tout ça. Nous sommes aujourd'hui réunis en ce lieu pour l'enterrement de notre père, frère, neveu, ami, Toussaint Guillaume Lodo. Tu n'as que 52 ans et tu nous as déjà quittés pour un monde meilleur sans même nous dire au revoir. Ta mort tragique nous a anéantis. Qui est Toussaint Guillaume Lodo que nous pleurons aujourd'hui? Fils du colonel Kiolianza Sylvestre et de Bissam Moussami Alice, tous les deux décédés et nés à Kinshasa le 27 juillet 1967 d'une fratrie de 8 enfants, dont 6 filles et 2 garçons. Il était le troisième enfant. Toussaint a fait ses études primaires au collège Banzo Lisanga à Jimana et il a étudié à l'Institut Chololo à Kisangani, à l'Institut Kalenda Mudishi à Mujimai, à l'Institut Kitomecha à Kinshasa et a terminé ses études secondaires à l'Institut Kibumun Kisi à Kinsatu. Il a poursuivi ses études supérieures à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTAMSI. Et c'est depuis le 12 septembre 1990 que Toussaint vit en Belgique. Il a fait ses études à Mons, il a fait sa carrière professionnelle chez Colruyt et La Poste de Belgique. Toussaint est père de 3 beaux enfants, Mathieu, Marc et Marcial Guillaume. Il a toujours été là pour ses enfants. Ce ne sera pas facile pour eux, mais comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous servons, est le père des orphelins, il les soutiendra. Il viendra à leur aide et leur rendra justice. Et nous, la famille, nous serons toujours là pour eux.
La mort t'a emporté, toi qui aimais tellement la vie. Comment te dire notre tristesse de te voir partir? Notre deuil va être long. Nous ne t'oublierons pas, jamais. Comment oublier un être cher, une personne précieuse? Ta personne, ton amitié, étaient des cadeaux du ciel offerts à toutes les personnes qui t'aimaient, tes amis, tes collègues. Toutes les formules de condoléances ne soulagent pas de la douleur d'un décès. Ta mort nous enseigne que la vie s'éteint un jour, que rien n'est éternel. Ton départ est un grand enseignement donné à celles et ceux qui t'aiment. La vie n'est point éternelle, mais l'amour vrai ne meurt pas. Merci d'avoir été celui que tu as été pour nous. Mourir n'est rien face à l'intensité de nos souvenirs de toi. Nous t'aimons, notre amour est plus fort que la mort. Décéder n'est rien face à l'intensité de nos sentiments pour toi. La mort n'est qu'un recommencement, un recommencement, ton essai de connaissance. Nous te disons à bientôt tout ça, adieu tout ça, adieu et tout ça, adieu et mon bain, adieu, adieu et nos domaines. Ta famille, tes enfants, tes frères et tes sœurs et tous ceux qui t'aiment. Je vous remercie. Au nom de la famille Lokio, la famille Sali, la famille Nseka, la famille Lusakane et de Bassamosso, je m'adresse plus particulièrement à notre cher bien-aimé, Toussaint Ingondo Lokio. Très cher Toussaint Ingondo Lokio, nous sommes tous réunis aujourd'hui, ta famille, ta belle famille, tes amis, tes connaissances, tes collègues et tous qui t'ont suffisamment approché pour apprécier l'étendue de ta personnalité et ta bonté. Nous sommes là pour te dire au revoir et non un adieu. Tu pars avant nous rejoindre tes parents et tous ceux qui nous sont chers vers ces grands mystères qui se cachent sous nos yeux fermés. Nous pensons que la tombe n'est pas plus redoutable que les versions, car elle s'ouvre vers un grand mystère qui se cache sous nos yeux. Car elle s'ouvre vers un autre monde. Alors, pour toi qui es croyant, une nouvelle vie commence pour toi, à côté de Dieu Tout-Puissant, les créateurs du ciel et de la terre. Une vie immense. Si tu as quitté cette terre, tu ne nous quitteras à jamais, vraiment, car tu seras toujours vivant dans nos cœurs et nos esprits. À travers nous, tu vis. Et pour te voir, il suffit de fermer les yeux pour voir ton image. Comment est-ce que tu peux sembler les plaisirs? Sans regretter, toi, l'ami fidèle que je n'ai, le Père est mort. Le fils modèle, les collègues agréables et joyeux que tu as toujours été. C'est avec tristesse et compassion que nous nous tournons vers tes enfants, Mathieu, Marc et Max, Maxilia, Lokio, à qui nous présentons nos puissants sœurs, condoléances, et prions que le bon Dieu, miséricordieux et les consolateurs, puisse les accompagner tout au long de leur vie. Et pour nous, tes frères et sœurs, tes parents et toute la famille, nous demandons les pardons et l'unité dans l'amour de Dieu. Dans ce voyage qui t'emporte tout ça, nous gardons un sourire, ta bonne humeur, ton humour et ta gentillesse pour toujours au fond de notre cœur. Nous t'accompagnons tout ça dans ta dernière demeure, qui sera la nôtre
car nous sommes tous des passagers d'une même destination. Bloquions et non l'autre. Nous t'aimons et t'aimerons toujours. Je vous remercie. Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui vient. Allez. Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui vient. Allez. Saint, 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 est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui vient. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur. Alpha, Oméga, omnipotent, omniscient, omniprésent. Amen. Seigneur, tu avais commencé avec notre frère en qualité d'alpha. Et par ta volonté, ta puissance, et par les commandements, ta volonté, par décret, il a terminé sa vie, Seigneur, en qualité d'oméga avec toi, Seigneur. Amen. Mon Dieu, mon roi, je prends l'âme de mon frère. C'est le dernier culte pour lui, Seigneur, ici, sous le soleil. Amen. Nous voici réunis, Seigneur, car la Bible déclare, oh, voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Je prends l'onction, l'huile sainte. Je déverse dans son âme au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je chasse tout esprit cosmique qui peut mettre des barrages pour que notre frère ne puisse pas percer pour aller aux cieux. Je chasse l'esprit cosmique au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets la sainteté, la pureté dans son âme. Car il commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, tu as dit, poussière, terre, tu as été soutiré par la terre et tu retourneras dans la terre. Ta volonté s'est accomplie, Seigneur. Et nous nous inclinons devant ta sainte volonté. La famille a perdu un être cher. Toi, tu sais penser de blessure, mon Dieu, mon roi. Je dépose la famille entre tes saintes mères. Le moment est venu, papa, pour que nous accompagnions notre frère dans une nouvelle adresse. Cette adresse, mon Dieu, mon roi, il sera seul, mais pas seul, mais il sera avec toi. Parce que la terre, Seigneur, la poussière, retournera dans la poussière. Mais il est ensemble avec toi, Seigneur, la trompette a sonné. Béni sois-tu, nous avons ainsi prié, et je bénis mon frère au nom puissant de Jésus-Christ, que tout s'accomplisse dans la grande prière que Christ nous l'a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses, mais nous agis pas à la tentation, mais de nous faire, car à toi qu'appartient dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ouvrez l'état, entrez ton cœur, ouvrez l'état. Entrez ton cœur dans tes bras. Thank you.
Donc ça dit le conseil de Oh, my God.
Le moment est venu. Je sais que la séparation est douloureuse, mais permettons à notre frère également de trouver sa dernière demeure et que la terre de nos ancêtres lui s'attende. Nous allons pleurer, c'est vrai. Il faut faire notre deuil. Mais la volonté de Dieu est là. Dieu a parlé parce que c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Il avait donné notre frère pendant ces 52 années. Il a passé un moment de bonheur, de paix. Nous sommes tous vulnérables, faibles. Nous avons nos qualités, nous avons nos défauts. Ce que nous allons donner, présenter à notre Dieu aujourd'hui, c'est les qualités. Parce que lorsque la qualité abonde, ça écrase tous nos défauts. C'est pourquoi, bien-aimé en Jésus-Christ, gardons un bon souvenir de notre frère. Et je recommande à chacun ici présent, les larmes que tu es en train de déverser, que ces larmes-là puissent construire quelque chose pour ton avenir. Chacun à son parcours, chacun aussi à ces années que Dieu a données sous le soleil. Mais je te demande, mon frère, ma soeur, passe le moment que tu es en train de respirer, passe ce moment-là avec l'Éternel. Parce qu'à chaque fois, c'est lui qui renouvelle notre souffle et il a un projet, il a une chose à faire pour ta vie, et toi également, tu as un droit, parce que tu as les besoins de vivre, tu as les besoins aussi de se vêtir, tu as les besoins d'avoir un confort. Et aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour réconforter la famille, parce qu'ils ont besoin également, et la famille a besoin de ce réconfort. Et le réconfort nous vient dans le Seigneur, c'est pourquoi je me présente en tant que serviteur de Dieu, ainsi de soutenir la famille. Même la pierre s'effondre à leurs pieds, mais le Seigneur les soutiendra toujours.
comme j'avais dit, à midi, même la nuit, tombe dans ta vie. Mais sois constant, sois fidèle dans le Seigneur. Sois fidèle dans le Seigneur, parce qu'il va t'accompagner. C'est lui qui accompagne, comme la Bible déclare, voici les miracles qui vous accompagneront. Donc il nous accompagne. Il dit les miracles. Au nom de Jésus-Christ, vous chasserez les démons. Au nom de Jésus-Christ, vous imposerez les malades, les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais aujourd'hui, nous avons imposé les mains sur la tête de notre frère. Mais Dieu a parlé. Comme Dieu a parlé, nous lui rendons grâce. Et il sait combien aussi il peut remplacer ces trous, ces blessures. Je sais que ça va marquer toute la vie. Parce que dans la chair, c'est une perte. Mais spirituellement, ce n'est pas une perte parce que c'est notre voyage. Nous sommes, nous tous, nous sommes les aspirants de ce chemin. C'est pourquoi, bien-aimant Jésus-Christ, je vais faire la prière une dernière pour notre frère. C'est vrai, la séparation est douloureuse, mais je remets le cœur de tout à chacun entre les saintes mains de notre Seigneur, parce que je ne sais rien peut vous faire donner, mais le Seigneur sait faire quelque chose. Mosi kana uti tenena kokende kotambola na kotambola Yesu Yesu Mosi kana uti tenena kokende kotambola na kotambola Yesu Kolona boboto Kolona boboto Kolona boboto Kolona bolu Kolona boboto Kolona Yesu Yesu E anora mituna nana E abutu pemoi Yesu Yesu E anora mituna nana L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près de vos plaisirs à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Point d'huile sur ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel. Que mon frère aujourd'hui habite dans la maison. Que tout seul qui demeure dans la maison de l'Éternel. Je recommande son âme, mon Dieu, mon roi, entre tes saintes mains. Ne regarde pas ses fautes. Nous sommes faibles. Devant ton avènement, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, quand tu as vu la mort venir, papa, la Bible déclare ta sueur se changer en crimson de sang. Parce que tu savais, tu sais, Seigneur, tu es humain. Et tu étais humain aussi. Tu connaissais la faiblesse de nos corps. Tu connais, mon Dieu, mon roi, les fautes de nos corps. C'est pourquoi la sueur s'est changée en grumeaux de sang. Ne regarde pas les défauts de mon frère. Papa, je remets ces qualités entre tes saintes mains. Si tu as permis, papa, tous ces moments qu'on puisse passer pour invoquer ton nom,
Je sais que tu es saint, saint, saint. À partir de ce moment, les corps, la dépouille, les corps, que ce soit ces bois qui portent le corps de mon frère, devient saint au nom puissant de Jésus-Christ. Je sanctifie ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Je sanctifie ce corps au nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu as dit terre, poussière, qui a été tirée de la terre, tu retourneras poussière. C'est la poussière que toi tu avais tenue dans tes mains pour façonner, afin que cela, Seigneur, devienne un être humain. Et tu as soufflé sur les narines, et cela est devenu homme. Maintenant, tu as retiré, mon Dieu, mon roi, ton souffle. Comme tu avais soufflé, tu l'as retiré, papa, que ce souffle qui est devenu âme, que cette âme devienne sainte auprès de toi, mon Dieu, mon roi. Béni sois-tu, Seigneur. La séparation est douloureuse. On n'arrive pas à nous séparer, Seigneur, de ce corps parce qu'on s'est dit, est-ce qu'on le verra encore? On peut aller en Amérique, au Congo, partout, Seigneur, on ne le trouvera pas. Mais on le trouvera un jour, Seigneur Jésus-Christ, comme tu as dit, ton avènement. Béni sois-tu. Papa, nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons tous, amen. 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 Yeah!
Yeah.